Macron en juillet. Oh bah tiens, la crâne d'œuf maintenant. Là, le suis aussi. Donc, cette unité nationale, elle a toujours guidé. Bon, il paraît que c'est le moins pourri par rapport à Escrozy. Pour la première fois. Là, c'est un fossile. Surtout depuis 2015. 2015, j'ai voté 13 lois. 239, moi, je n'ai pas voté. 150 blessés dans notre pays. Pour la première fois, le terroriste, c'est vous qui le vendez. C'est l'ONU, la CIA, les machins. On va baisser la garde. On sort de l'état d'urgence. On dirait des débiles mentaux, la TDT. Tu texte, l'as raté ta tarte à Notre-Dame des bons voeux, toi. Comme Escrozy dans le tramway. Le a décidé de sortir de l'état d'urgence. Eric Ciotti, il y a des gens qui, à l'Assemblée nationale, disent l'inverse de vous. Vous étiez tous en train de partouzer, de faire la teuf quand le mec il a écrabouillé tout le monde. Me prends pas pour un con. Toi aussi, t'es un PD ou quoi, là? Ça fait des années qu'ils disent ça, ils sont opposés à toute mesure de sécurité, pas, hein. C'est notamment la France insoumise. Ce que nous disons, nous, il est, et nous contestons fortement le postulat de ce texte. Le postulat de ce texte, c'est on sort de l'état d'urgence et on supprime le contrôle aux frontières. Et après, on fait semblant de mettre des mesures de substitution. Nous disons... Peut-être pas que les conneries par rapport au Macron. Monsieur Colomb dit lui-même que depuis janvier, 12 attentats ont été déjoués. On a vu ce qui s'est passé à Barcelone. On a vu ce qui s'est passé à Londres. Et pourquoi décider aujourd'hui, alors que le risque n'a jamais été et aussi élevé, de désarmer quelque part, de sortir de l'état d'urgence? Il y aura toujours des perquisitions administratives, non. Il y aura la surveillance électronique, il y aura l'identifiant personnel, il y a le périmètre de protection. Enfin, je veux dire, vous affirmez ça. Je veux vous poser une autre question là-dessus. On peut s'arrêter sur cette question. Non, attendez. La perquisition administrative, elle va être décidée par un juge judiciaire. Il t'en prie, tu ton pognon, il t'en a mis plein le fion, Escrozy, aussi. Tu t'es bien fait enculer, nina nina la la la, et Ciotti aussi. L'autre, tu seras un fossile, l'autre. Plus de possibilités de fouiller les véhicules. Sur décision du préfet, tout ça peut être décidé par un juge, mais ça existait avant, et ça continuera à exister. C'est vous qui vendez le terrorisme avec vos cachetons de merde, avec votre intrusif pharmaceutique de mes couilles. Les gens, vous les rendez fous. Alors on fait des tueurs et après on dit, oh bah c'est Al-Qaïda, oh bah c'est Daesh. C'est de la merde, c'est pas vrai. C'est comme les moines de Tibérine, la Tibérine. Merde, c'est une erreur de l'armée, comme la Caravelle. D'ailleurs, c'était un 11 septembre en fait. Monsieur Colomb, c'est un gros trou du cul en fait, c'est un colon, non? Pas un trou du cul de merde celui-là aussi. La menace est maximale. Donc pourquoi, si la menace est maximale, affaiblir nos... Ben, fallait pas la vendre, la menace. C'est pour signer les contrats pour reconstruire. Prenez-moi pour un con. Prends-moi pour un con. En tout cas, elle s'élevait notre degré de protection. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, je t'ai vu au port. Hein. Je t'ai vu avec l'idée bon vœu. Vous n'avez pas marre de dire de la merde aussi, parce que vous adoptez une posture plus politique, certains diront politicienne, et c'est-à-dire que c'est une campagne politique, ça veut dire apprendre à mentir à son peuple. Ce serait une campagne politique pour soutenir la... Faites de la merde, en fait. Faites que de la merde sur Terre. Une façon de vous différencier, de sortir de ce que Emmanuel Macron a installé, c'est-à-dire une forme de... Et Ciotti aussi. Moi, j'ai fait page 3, toi, t'as fait page 4, je te signale. Dans le lit ce matin menteur. C'est un sujet trop grave pour avoir une attitude politicienne. J'ai voté la loi d'habilitation à légiférer par ordonnance et je voterai la loi de ratification. Ça va dans le bon sens, je voterai. Là-dessus, on est dans une vraie analyse différente, à la fois sur le contrôle aux frontières et à la fois sur l'état d'urgence. Et nous disons avec force et avec démonstration que si on reprend chacun des outils qui sont prévus dans cette loi, eh bien, on sera en situation de protocole. Protocolifié. Numérisable. Formatable. Protocolable. Et du lien avec l'Europe, écoutez. Il a dit que de la merde. Alors, c'est bon. Nous avons engagé des réformes inédites. Je les avais annoncées, le gouvernement les met en œuvre. Les réformes du marché du travail... Un gouvernement vrai, c'est quand qu'il met en œuvre le gouvernement vrai, non? Permettront...
Macron justement de créer la croissance, l'emploi et de faire ce